Et chers les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parcourir un petit bout de chemin ensemble. Allez, place à l'intro. Donc du coup, ce que je veux dire par faire un petit bout de chemin ensemble, chers amis, aujourd'hui nous allons réaliser des chemins. Donc c'est pas un tuto très très compliqué, hein, parce que je vais vous montrer deux petits designs de chemins. Voilà. Donc je vais vous montrer le design classique. Donc le design classique, c'est en gros vous prenez un bloc de fond qui vous plaît. Moi je vais prendre par exemple de la terracotta avec des dalles comme ça, pourquoi pas. Et ce bloc se fait pas très, enfin ce chemin est pas très compliqué puisque au final vous avez juste à creuser tout droit. Voilà. Je vais vous montrer bien évidemment à chaque fois comment quand on monte les blocs. Et du coup vous posez votre fond. Là vous avez bien vu, hein, j'utilise aucune commande word delete, c'est fait exprès, hein, voilà. Hop. Donc voilà, on met notre chemin. Je vais juste mettre ça parce qu'on va, faire croire que en gros le niveau du sol monte, hein. C'est pas très compliqué. Donc voilà. Donc là par exemple nous avons notre petite route en béton ou en terracotta, là c'est de la terracotta. Hein. Du coup, on place nos dalles pour pouvoir monter facilement. Voilà. Et on va faire un rebord. Voilà. C'est tout. Vous faites ça des deux côtés, bien évidemment. Hop. Voilà, cette vidéo n'est pas très préparée. Hein. Je l'avais fait comme ça, vite fait, à l'arrache. Mais parce que c'est tellement pas compliqué à faire des chemins. Donc là, voilà, vous avez un chemin. Alors, ce chemin, moi, je l'appelle le chemin d'Holicube. Puisque c'est le premier chemin qu'ils ont fait sur Holicube saison 1. Voilà, donc c'est pas compliqué, c'est juste qu'il est simple. Vous pouvez bien sûr, bien évidemment, changer les blocs. Les blocs, vous pouvez mettre maintenant du coup une sorte de gravier. Un peu plus clair. Voilà, ça rend tout aussi bien. En fait, voilà. L'avantage de ce design-là, c'est que vous pouvez juste changer. Vous pouvez aussi changer les dalles, hein, si vous voulez, maintenant qu'il y a les dalles de stone. Bref, vous faites comme vous voulez. C'est pas compliqué. Un chemin, on l'a de 3. Vous pouvez le faire de 4, de 5, de 6, de 7. Comme vous le voulez. Même de 1. Ça fait le petit chemin traditionnel. Voilà. Donc, ça, c'est le chemin de route classique, simple. Enfin, simple. Non, il est pas très simple, justement. C'est un chemin un peu plus détaillé. Après... C'est carré, hein, c'est du Minecraft. Donc voilà. Donc bien évidemment, après derrière, nous avons, je prends la petite pelle en diamant. Nous avons le chemin comme ça. Vous faites, vous cliquez un peu partout. Donc voilà. Donc c'est, vous cliquez un peu partout. Vous avez votre chemin. Vous essayez de le rendre. Après, vous repassez derrière pour le rendre un peu plus. Plus propre, hein, pour vous le retravailler quoi derrière, hein, toujours on va passer toujours un petit peu, voilà. Et ensuite vous prenez qu'est-ce qu'on peut prendre, bah la bonne mille qui est là, voilà. Donc la bonne mille, vous essayez de cliquer sur les rebords, hein, pas au milieu du chemin exprès. On fait ça exprès de ne pas cliquer au milieu du chemin. Et ensuite, vous virez toutes les hautes herbes qui traînent en plein milieu de votre truc. Voilà. Après, vous pouvez bien évidemment, du coup, casser un petit peu pour avoir un peu moins d'herbes. Hop. Et repasser avec, par exemple, du oak, d'oxyve. Et faire, par exemple, des trucs comme ça. Refermer un peu votre chemin du coup, donc des sortes de buissons, voilà. Vous pouvez y mettre aussi du coup, moi ce que je vous conseillerais du coup c'est mettre du dark oak, donc vous mettez des petits fences, des petites fences comme ça, voilà, sur lequel vous pourrez mettre des petites torches par exemple. En fait, l'avantage de ces designs là, c'est que vous pouvez complètement faire ce que vous voulez.
Voilà, donc ce petit design, il est assez sympathique, il est simple. Pas dire le contraire, il est assez simple. Mais moi, après, comme j'aime bien dire, c'est vous aimez, vous faites. Point. La vie des autres, bah si vous aimez, c'est qu'il y en a d'autres qui vont aimer. C'est pas compliqué. Si vous aimez pas, demandez aux autres justement si ça leur plaît. Parce que si ça leur plaît, ça peut plaire à d'autres. Voilà. Donc voilà, donc là, petit design de petits chemins. Voilà, avec des petites fleurs, parce que je sais pas, on doit être dans un biome fleurs. 5, non. On s'en fout du F5, F3, nous sommes dans un biome. Bon bah j'ai pas trouvé le biome, c'est pas grave. Hein, Alors, vous allez croire que j'ai pas cherché longtemps, mais j'ai juste fait une petite coupure. Voilà. Donc bon. Voilà. Donc là nous avons un chemin un peu plus compliqué que celui-là. Donc du coup je vous ai pas montré comment monter, mais vous mettez des petites dalles en stone ou en bref pour monter et puis c'est tout. C'est simple. Ou même il y a quoi en dalle? Ça s'appelle comment? Slab. Slab. Voilà, donc vous avez tout ça en slab, hein. Vous pouvez choisir n'importe quel slab pour faire votre chemin. Par exemple du quartz ou du smooth quartz pour faire un peu plus moderne. Si votre design autour est moderne, comme ça sera. Mettra quelques pointes modernes, par exemple. Donc voilà. Donc déjà, nous avons deux petits designs de chemin. Il y a maintenant un design un peu plus compliqué. Hein, ou par exemple, bah, comme celui-là, qui contient de l'andésite, de la cobble, comme ça. Donc voilà. Donc là, j'ai pris par exemple ça. C'est hyper simple à faire. Je vais partir, allez, par là. Je vais faire mon chemin tout droit. C'est comme ça que je vais faire. Donc voilà. Vous faites vos chemins tout droit. Et pouf. Après vous vous dépassez comme ça. Tac 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 tac. Hop, on recasse au milieu. C'est pas grave si vous cassez en bas. Donc paf paf. Donc là on va revenir un peu. On se rebalade. Tac tac tac. Voilà. Donc là le chemin il va être un peu plus gros. Après voilà, vous faites comme vous voulez. Donc voilà. Donc ensuite vous mettez votre cobble n'importe comment aussi. Paf paf. Paf paf. Vous repassez derrière bien évidemment. Tac 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 tac. Je vous mets ça vite fait en accéléré, je vous montre ce que ça donne. Donc voilà. J'espère que cette petite timelapse vous aura plu. Pff, ça n'a pas duré très longtemps non plus. Hein. Donc voilà. Donc là, nous avons notre chemin de base. Après, vous pouvez toujours repasser, par exemple, casser 2-3 blocs. Faire tac. Avec un petit dégradé. Voilà. Ça sert à rien. C'est juste pour faire un peu plus joli. Bien évidemment, vous pouvez changer, varier les blocs que vous allez utiliser sur votre dégradé. Hein. Donc voilà. Je vais pas le faire hein, parce que voilà. Mais c'est pas très compliqué. Après, toujours. La petite bonne mille qui fait plaisir. Donc, tac, 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 voilà. Donc voilà, c'est tout. C'est pas très compliqué. Alors ce petit design, si vous avez vu ma dernière vidéo sur World Edit, c'est exactement le même design. Hein. C'est voilà, je l'ai exactement fait comme ça, sauf que j'ai pas mis le dégradé, c'était un peu plus fin. Donc voilà, ces designs, voilà, je les ai vraiment faits, je les ai vraiment choisis justement parce qu'ils sont simples. Là, vous voyez au final, le chemin que j'ai tracé au début, il est complètement biscornu, et justement, enfin, bizarre en fait. Si vous le faites en longueur, en fait, ça vous juste vous permettra d'avoir un chemin complet. Donc en gros, vous avez juste à suivre ce chemin-là que vous voyez pas du tout, et en général, vous allez juste faire, oh, une petite diagonale, oh, il y a un tournement, ça tourne, bizarre, voilà. Et en suivant ce petit truc, ça va être un peu plus joli. Donc voilà. Je pense que j'ai déjà fait pas mal de trucs là. Hein. En chemin, en fait, les chemins, c'est réellement pas très compliqué. Ça prend certaines coups de main vite fait, mais
Au final, voilà. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser du coup les commandes WorldEdit. Les commandes WorldEdit, du coup, vous allez juste faire un brush qui va remplacer seulement la grâce par justement un certain pourcentage d'andésite, oui, de cobble et de laine. Par exemple, vous pouvez remplacer très bien la laine par du gravier. Vous faites comme vous voulez, en fait. Hein. Vraiment, l'avantage des chemins, c'est que c'est... Vous pourrez faire n'importe quel design de chemin, ça sera jamais le même. Jamais. Voilà. Donc là, vous avez vu, hein, j'ai juste changé, hein, et ça rend déjà super bien. Voilà. Après, bien évidemment, si vous êtes dans un désert, vous n'êtes pas trop utilisé ce style de bloc. Si vous utilisez un désert, vous allez utiliser par exemple du birch, du sable, de la sandstone, des dalles en sandstone, des escaliers aussi, puisque les escaliers en sandstone ont une petite particularité bien à eux. Quand on les met à l'envers, il y a ce petit pierre cassé, voilà. Bref. Oui, du coup, j'ai pas mis de 3D, hein, mais bien évidemment, vous pouvez caler. Vous pouvez prendre n'importe quel truc comme ça. Si vous voulez rajouter un peu de couleur, puisque là, je suis en 1.14, je vais utiliser de la lave. Allez, comme ça, vous avez une petite flaque d'eau qui traîne en plein milieu de votre truc. Ça peut être super marrant. Par exemple, sur des maps PVP, vous savez, il y a une petite zone d'eau. Tac, ça ralentit tout le monde. Vous pouvez pas placer de blocs, c'est pratique. Enfin, si on peut placer des blocs, mais ça sera juste un peu plus joli. Bref. Voilà. Donc, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Donc, j'espère que ces chemins vous auront plu. Hop. Ah. Donc, j'espère que ces chemins vous auront plu. Moi, je suis là. Voilà. Donc, ces chemins vous auront plu. Et, chers amis, on va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, ça me permet d'être connu, de commenter. Si vous avez des idées, commentez, allez-y, hein, comme ça je pourrai les tourner, vous les verrez dans quelques semaines. De vous abonner, ça permettra de voir d'autres vidéos si cela vous intéresse, et moi je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, le build c'est bien, et moi je vous dis à la prochaine les amis pour de nouvelles vidéos. Et à la prochaine !